effectivement, c'est évidemment soit des maximum de grands, non, non. Et t'es marié, t'as des gamins? Ouais. Et les gamins, tu les fais sortir? Non, jamais. Comment tu t'appelles? Jenny. Je vais te dire une chose. Même si tes enfants ne sortent pas, ils voient forcément ce qui se passe en bas. Des gens qui vendent de la cam, des drogués. Ben ouais, mais c'est comme ça. Et donc ils sortent, ils voient ça. J'ai parlé à un gosse qui m'a dit, je les vois, ils se piquent dans les caves, ils se droguent. C'est quelque chose de terrible, non? C'est triste, mais c'est comme ça. Sincèrement, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la criminalité. Ah bon, alors à qui la faute? À mon avis, au gouvernement italien. Écoute, je suis policier. Toi, tu es un homme sain. Tu as réussi à rester sain, même en vivant à Scampia. Tu as toujours travaillé, et ça, ça t'honore. Mais tu as un petit défaut. Parce que si je te dis, Jenny, si tu vois quelque chose, je te laisse mon numéro, tu m'appelles. Tu le ferais? La vérité? Non. Mais pourquoi non? Ça reste entre toi et moi. J'ai aucun intérêt à ce que ça se sache. Ouais, toi, t'as confiance en moi, d'accord. Mais moi, je sais pas si je peux te faire confiance. Tu comprends? Mais tu dois vaincre cette peur. Alors à qui elle appartient, cette ville? Si tu vis ici comme ça, sans rien faire pour que ça change, à qui appartient la ville? À toi ou à eux? À eux. Gianni a dit non, mais Ciro n'abandonne pas. À Naples, Sergio et ses hommes se battent chaque jour pour que la ville et ses habitants reprennent leur destin en main, pour que Naples ne soit plus la cité des morts. Si cette ville me saoule, tu veux savoir si cette ville me saoule? Attends, objectivement, même si c'est qu'une goutte dans l'océan, sur les 4-5 dernières années, dans Secondigliano et Scampia, regarde tous les clans qu'on a détruits. Oui, mais ça ne résout pas le problème. Non, mais au moins on les a affaiblis. Le problème, c'est pas la police, c'est pas les clans. Il y a un autre problème, Nuncio, c'est les gens. Les gens ne comprennent pas. Les gens pratiquent trop l'omerta dans cette ville. C'est parce qu'ils ont peur aussi. Peur, l'omerta, la culture aussi. Ils veulent être tranquilles. Non, c'est surtout la culture. Ont passé. 8 mois pendant lesquels la drogue, les clans ont continué à tuer. Pour la brigade, il est temps de passer à l'assaut final. Sergio et ses hommes ont repéré la villa d'un riche trafiquant. Ils doivent arrêter les suspects, saisir leur matériel de fabrication et leurs armes. Ah, Nicolas, tu voulais faire le malin. Il y a de l'herbe. L'essentiel, c'est de relever les empreintes, les mecs. C'était le fleuriste. Apparemment, les fleurs, ça lui suffisait pas. Moi, j'y retournerais bien. Ne jamais renoncer. Eh oui. Il y a encore des taches blanches. Il y a tous les moules avec les marques du clan. On a tout. Il n'y a plus qu'à trouver toutes les empreintes des suspects et on est bon.
Tu sais la bonne nouvelle? On a trouvé les moules, t'as compris? Il nous manque plus que la presse qu'ils utilisent pour imprimer la marque sur la drogue.